que la licence pro en agriculture biologique, donc on fait du conseil, de la production végétale et animale, on fait du commerce et aussi de la certification. Du coup, j'ai choisi cette licence-là parce que j'ai fait des études dans le milieu agriculture conventionnel. Comme j'ai voyagé à l'étranger, j'ai vu certaines productions. Du coup, j'ai pu voir la production intensive conventionnelle. Donc les bio, ça permettra d'avoir des connaissances et des compétences dans le milieu agricole bio. Donc au niveau de l'organisation des cours, comme je suis une personne malentendante, elles sont adaptées par rapport à mon handicap. Donc pour les visites, j'ai mes amis qui prennent des notes. Et donc moi j'écoute. Après j'ai beaucoup de travail en groupe. Je suis issue d'une famille d'agriculture. Donc grâce à eux, ils m'ont appris que c'est le monde agricole, que c'est produire, tout ça. Donc ma passion c'est l'agriculture. Ce qui est important dans l'agriculture biologique, c'est la façon de produire. C'est-à-dire on ne produit pas des produits chimiques. On ne met pas d'engrais chimiques, tout ça. Et puis, certes, il y a moins de rendement qu'en conventionnel, mais par contre, pour l'environnement, pour la santé des hommes, c'est plutôt correct, quoi. Actuellement, je suis en alternance chez Bureau Veritas. Donc après la licence, j'aimerais bien être inspectrice dans le milieu agricole. C'est-à-dire contrôler les fèmes, contrôler la transformation en agriculture biologique et pourquoi pas en label, dans d'autres labels.